Et yo la team YouTube, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. On est toujours sur ce let's play sur Arthur et les Minimoss VOD 7, déjà le 7ème épisode déjà. Ça passe très très vite. Après cette magnifique rage, après comment on peut dire ça? Ouais, ce magnifique rage qu'on a eu, hein, évidemment, je vais encore désolé. On a fait une petite pause jusqu'à la fin du match de Vince KSC, hein, évidemment, parce que pendant les précédents épisodes, pendant l'épisode 6, j'étais en train de regarder en même temps le résultat du match de la Coupe de France. Malheureusement, Vince KSC s'est fait éliminer de la Coupe de France, malheureusement, au tir au but. Ils ont été éliminés quand même contre une division 1, et eux sont en division 4. Du coup, il reste que le match de championnat pour eux. Bref, en tout cas, j'espère qu'ils vont pourquoi pas bien gérer leur match, hein, évidemment, maintenant. Et du coup, on va prendre enfin la noix, hein, pour partir, pour aller à Necropolis, évidemment. Ouais, bon. Ouais, bah attends, gamin. Parce que moi, si je peux trouver des noix, je dis pas non. Et puis, s'il n'y a pas des sacs autour, voilà, mais je pense qu'il y a un sac autour. Je pense. Je pense qu'il y a peut-être moyen d'avoir un sac. Du coup, voilà. Bon, après, le résultat, franchement, je suis un peu déçu pour eux. Honnêtement, mais bon, après, voilà quoi. Ils ont fait quand même un super bon parcours pour conclure, hein, le match. Ils ont fait quand même un super bon parcours de la Coupe de France. Après, voilà, se faire éliminer pour la première fois en quatrième tour, parce que d'habitude, ils se sont fait éliminer au premier ou au deuxième. Aller jusqu'au quatrième, bon, voilà. Après, malheureusement, il n'y a pas eu des gros joueurs de l'équipe, hein, parce qu'ils étaient blessés ou ils n'ont pas pu venir, mais bon. Bref. Merci, tu vas attendre toute la journée. Oh non! Ah! Yes! Ça me semblait bien qu'il y avait un sec. J'avais raison. J'ai bien fait venir ici. Bon, allez, go. On se casse. On se casse, on se casse, on se casse d'ici. Let's go. Hop. Allez, let's go, mon petit bêta-mèche. 106, Bêta-mèche, c'est déjà pas mal. sur la mule-mule, s'il te plaît. J'ai l'impression qu'il y en a tout autour de nous. Alors, ça y est, vas-y. Hop. Alors, attends. Ah. Voilà, on a déjà derrière, c'est cool. Bon. Après, si j'ai pas tout, c'est pas grave, hein, les amis. Hein. Là, ça pourrait aller à la suite, ça? Yes. Parce que là-bas, c'est quoi, en fait, les amis? Drake, là-bas, c'est quoi? C'est pour avoir des sacs ou... C'est pour avoir des nouveaux sacs ici ou c'est pour juste libérer les mumules? J'attends juste que Drake il répond. S'il est encore présent sur le live, bien sûr. Ou c'est encore pour avoir des sacs. À mon avis, c'est que pour les mémus ici. Hein. Que des mémules? Ok. Bon, vas-y, on va le faire vite fait. Hein. Comme ça détend un petit peu parce qu'on va bientôt arriver au passage où j'étais bloqué quand j'étais plus jeune. Du coup, un peu de détente, vite fait.
Bon, il m'en manque plus beaucoup. À mon avis, les derniers, ils doivent être par là. Hein. Même pas. Ah, si, si. En tout cas, merci, mon cher Greg14, mon cher poteau, pour me dire c'est que des mumules. Bon, bah voilà. Parfait. Quand je peux le faire, hein, évidemment, je le fais. Hein. Logique. C'est où celui-là? Ouais, bon. Après ça, je vais pas refaire tout le chemin à l'envers juste pour chercher ça. Hein. Je vous dis clairement. Hein. Mais après, je crois que quand tu peux choisir les chapitres, après, si tu veux vraiment faire 100%, je sais pas si... Bah, Drake, il pourrait confirmer si c'est ça. Normalement, si tu vas prendre un chapitre, n'importe quel chapitre, quand tu as fini le jeu, je crois que tu as juste... Tu as juste à aller au chapitre où ils sont les decks pour valider. T'es pas obligé de rechercher tous les mumules et tout quoi. Je pense. Allez, allez, grimpez vite à l'intérieur de cette noix qu'on n'en parle plus. Allez, c'est parti! Mille merci! Vous avez libéré tous les mumules en prison. Bon, dernière zone avant l'endroit où j'étais bloqué la première fois. Allez, go. Ouais, bah attends, oh bêta. Voilà. Bon, j'essaie. Tu crois qu'il nous a abandonné? Tu sais, Beta. Après tout, c'est un humain, que veux-tu dire? Tu crois qu'on va mourir ici? Je ne sais pas. J'essaie de me concentrer un peu, les amis. La 20e mort, ça y est, on y est à la 20e. Incroyable. Non, pas encore, Drake. Pas encore, j'ai pas encore reçu. Bientôt. Je sais pas quand, mais bientôt. Je pense la semaine dernière qui va arriver, je pense. Enfin, j'espère. Alors, là, du coup, je sais plus, il faut passer par où. Bah, je pense par là, hein. J'ai eu gratuit la livraison. J'ai pas payé la livraison, mon cher ami. Oh le con! Oh non! Bon, bah 21, du coup. Bon, 21 morts, les amis. Et non, j'ai pas payé de la livraison, j'ai eu gratuit, quoi. Attends, quoi? Bah, c'est bizarre, j'ai mis le code et il me compte quand même la livraison. Ah ouais? Bah non, mais moi j'ai pris un autre truc à côté. J'ai pris deux trucs en fait. Parce que j'ai vu qu'il y avait une boîte de booster. Du coup, je voulais essayer quoi.
Du coup, j'ai pris une petite boîte de booster où il y a que 9 ou 10 paquets, je crois. Et il coûte 10 € le booster. Plus la boîte à 48 € là. Du coup, ça me faisait 58. Et quand j'ai fait la réduction, quand j'ai fait le code de réduction, en fait, ça m'a compté largement assez pour avoir la livraison gratuite, en fait. Voilà. Voilà, mon cher ami, comment j'ai fait pour pas payer la livraison. Bon, déjà 21 morts, hein, du coup, les amis. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il se repose ou quoi? Non, je sais. Il a dû lui arriver quelque chose. Les humains sont égoïstes, Bétamèche. Il nous a oubliés. Allez. Je ne te crois pas. Pas Arthur. Arthur, nous dérivons toujours. Si tu ne fais rien, nous allons mourir noyés. Ouais, attends, Bétamèche. Ouais, donc, t'as payé combien précisément pour le tout? Bah j'étais à 42 € je crois, un truc comme ça. 42 € le tout. Parce que j'étais pour 58. Du coup j'avais ouais 42 €. Du coup bah je paye pas la livraison quoi. C'est 42 avec des centimes quoi de plus. Et je sais plus avec des centimes combien quoi. Allez, oula. Oh, c'est oh moi, la vache. je vous vois, j'arrive. Tu vois, il ne nous a pas abandonnés. Pourquoi j'ai eu... Arthur, vite, pousse cette brindille à l'eau. En plus, non. Attendez, les gars. Ouf. Mon Dieu. Oh mince. Mais non! Mais Arthur! Bon, bah 22. 23. Ah! J'essaye d'aller rapide aussi. 24. Putain, mais concentre-toi, Lite. 25. J'arrive pas. C'est impossible. J'arrive pas. Vingt-cinq. J'y arrive pas. Go. Allez, 25. Mais non! Ah, 26. Je 26. Putain, incroyable quoi. 26 morts quoi. Allez, cette fois-ci c'est la bonne. On y go. Voilà. Bon. Là maintenant, faut pas mourir comme un con. Là, faut pas mourir comme un con parce que là je pète un câble. GG, merci. Tu devais aller à gauche. Ah, ok. Bon, allez, 26 morts pour le moment. Allez.
Maintenant, faut la passer, hein, quoi, parce que là... Allez, go. Ça, on pousse. Hop. Oh, purée. Voilà. Voilà. Allez. Allez. Ouf. Allez, go. Pourquoi? Ouais, 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 au secours, au secours, au secours, attends. Hein, Me stresse pas, monsieur Bétamèche. Allez. Et là, je pense que c'est par là. Bah, c'est en bas, quoi. Faut aller où, là? Pourvu qu'il ne leur soit rien arrivé. Allez. J'essaie de me concentrer un peu, les amis. C'est quand même un jeu stressant, hein. Avec 26 morts, mon Dieu. Allez. Je suis content de vous voir. Avant moi, j'ai cru que Léliane va jusqu'aux lianes. Fais quelque chose, vite! Allez, c'est la fin. Yes! Vamos! J'ai réussi, les gars. Enfin. C'est pas ta rivière qui me fait peur, c'est ça. Ah, là, là, là. Et ben voilà. Nickel. Voilà tiré l'affaire. Et voilà surtout perdu. Mais non, c'est les miens, qu'est-ce que tu racontes? Bon, on va libérer eux, là. En plus, ton œil 24, c'est parfait. Mais pas besoin, regarde, ils sont tous ici. Regarde. Voilà, il reste deux, c'est eux. Bim, voilà. Ah bah oui. Logique, hein. On libère les mémules, mais il te met dans le niveau précédent. Incroyable. Vous jure. Bon, bah, on va arriver au passage où j'ai jamais osé passer. Ça va être cool. Allez, un petit coup de sauvegarde. Bon, je vais me prendre un bon petit bain, MDR, à toutes. Ok, à tout à l'heure, peut-être, Devan. C'est toujours le cas pour les lettres. Ouais, ouais, je sais. T'inquiète. J'ai remarqué. 61%. Parfait. C'est reparti. J'espère qu'on va vite retrouver le trésor. Le temps presse. Bon. Bah là, mon cher ami Drake, pour t'obliger à refaire les chapitres. Ah ouais, ouais. Bon, bah, mon cher ami Drake, ça serait là où j'aurais besoin de toi, en fait, hein. Ça sera vraiment là, à partir de là, où j'aurai besoin de ton aide. Aucun obstacle ne saurait lui résister. Pour utiliser le grand coup circulaire concentré, maintiens la touche à action enfoncée. C'est là, à partir de là, j'ai jamais réussi à la passer. Pour lancer le coup. Pendant que Selenia virevolte, tu peux appuyer frénétiquement... Du coup, là, j'aurai vraiment besoin de ton aide. Et Selenia tournera plus vite et plus longtemps. Allez, go, c'est parti, les amis. On va arriver au passage où j'ai jamais réussi à passer quand j'étais plus jeune. Du coup, voilà. Alors, je croyais que nous n'étions pas perdus. Ah, c'est là. Regardez, c'est par là. Suivez-moi. Qu'est-ce que tu as
C'est ici. Sans vouloir vous contredire, je pense que c'est plutôt par ici. Regardez cet escalier de pierre dans le mur. Il doit bien y avoir un moyen de le faire sortir. Mais non, enfin, c'est par là. Pourquoi vous ne m'écoutez jamais? C'est ici, les amis, où j'ai jamais réussi à passer quand j'étais plus jeune. C'est là où j'avais abandonné le jeu, quoi. Tout simplement. C'est le passage-là. Attends, c'est une lettre. Parfait. Nickel. Voilà. Du coup, je sais pas qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Je sais pas où il faut aller où. Alors, ça, c'est un truc bleu. Alors là, je pense qu'il faut ouvrir le passage. Logiquement. Bon. Alors. Bon. Alors, tic, tac, tac. Ah, bah, un sac. Ça m'intéresse, ça, le sac. Parfait. Les magnifiques araignées. Encore le sac. Oh, mais on est généreux ici. D'ivoire. Bon, j'ai commandé ma deuxième boîte. Ah, nickel. GG à toi, mon ami. GG. Ah, il faut pas faire tout le chemin là, quand même, avec le machin, là. Je sais plus comment ça s'appelle. Le truc rouge, là. Ok, il y en a un autre ici. Ah, il faut peut-être les emmener là, en fait. Si je comprends bien. Loupé. Bon, on va déjà emmener celui-là déjà dans la tête de l'autre. Allez, ouvre la boubouche. Hop là. La nature est vraiment fascinante vu de si près. Le chemin vers Nécropolis doit être derrière ces portes. Il suffit d'activer les dalles pour les ouvrir. Sauf qu'il y a 5 dalles. Me voilà. J'ai vu un chrono dans le coin. Ah. Sur une des dalles. Bien. Mais il reste toujours une dalle. Hop. Voilà. Lui, il va plus bouger. Du coup, il faudrait que je refasse là-bas pour aller le mettre dans la boubouche de l'eau. C'est ça, en fait, Drake? C'est quoi le bruit qu'on entend? C'est une lettre? Ou c'est Je sais pas, on entend un bruit, mais je sais pas si c'est pour nous dire qu'il y a une lettre. Si, c'est une lettre. Parfait, allez. Ok. Du coup, ça ouais, on va couper comme ça, on récupère plein de machin là. Hop.
Ah, ok. En fait, le chemin là, en fait, où pourrais-je vraiment je. Ah ouais, mais ça va être long, en fait, le passage. Non? Alors du coup, si je fais le chemin là, ah ouais, oh non, mais ouais bon, on va chercher une autre hein, parce que celle-là, mon Dieu. Oh non! Ah si, c'est bon. Mais non! Voilà! Mange mon gamin! Hop. Attends, faut que je mette où? Là. Allez, go. Je pense qu'il faut que je l'emmène par là, hein. Non. Non. Ah, faut peut-être le mettre là-bas. Ah merde, ok. En gros, faut peut-être l'emmener là-bas, en fait. Dans la rose bouboule, là. Je pense. On va essayer par là, hein. On verra bien. Yes! Ah du coup faut vraiment que je l'emmène dans la machine là-bas et puis après ça va emmener à un autre endroit, c'est ça? Oh putain, il y a un truc qui s'est réveillé. Hop, putain, dors. Non. Allez, go. Mais d'abord, faut que tu montes les corniches avec Arthur. Ah. Wesh, qu'est-ce que c'est fait? Ok. Ah, il s'est dégonflé. Oh, ah ouais, ça va être chaud là. Tu fais comment pour monter? Ah bah comme ça.
Ah ok, faut que les autres montent. Ok. Hop là. Du coup par là. Non, de côté. Ah merde, attends. Faut que je l'emmène par où? Par là? Faut que je descende par le petit trou, c'est ça? Ah bah. Tiens, mange mon gamin. Hop. Attends, you. Ok. C'est vraiment spécial. Dégoûtant, tu veux dire. Oh. Ok. Ok. Bah, je gère pas mal en fait, les amis. Je gère très très bien. Pour un passage que j'avais jamais réussi à passer quand j'étais plus jeune, incroyable. Mais comme je vous ai dit, hein, quand j'étais plus jeune, c'était vraiment pas très intéressant. Hein. J'étais pas très 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 fufute quoi. Quand j'arrivais pas à un truc, j'arrêtais quand j'étais plus jeune. Hop. Ah, par contre, il faut vraiment défoncer le mec là. Toc. Non mec, c'est pas un mec, mais ouais, pourquoi pas. Hop. Et voilà, c'est sûr. Allez. Ouvre la bouche. Voilà. Mais non, mais c'est une blague. Fous-moi la paix, bordel. Bon, ça, je vais le prendre au cas où, parce que, à mon avis, il va être tout rikiki. Bah, tiens. Incroyable. Non, mais non, pas là. Voilà. Hop. Et ben voilà. Parfait. J'ai enfin réussi le passage où j'arrivais pas. Magnifique. Nickel. Et on va où? Ouais, on va où là? En fait, peu importe le passage où on décide d'y aller, en fait, ça va au même endroit, c'est ça? Ou là-bas, t'as un truc? On va essayer là-bas, hein. Et ben voilà, les amis! Je vais pouvoir enfin découvrir moi-même le jeu. Bah, même si je connais grâce au let's play de Sora et puis de Drake 14, mais c'est la première fois chez moi que tu vas jouer quoi.
Et ça va être cool. Nickel. Yes. C'est énorme. Le triple tir de sucette. 3 fois plus de puissance, 3 fois plus de portée, 3 fois plus de sucette. Betamèche lance maintenant les sucettes par 3. Attention les dégâts. Le triple tir de sucette remplace automatiquement le tir normal de Betamèche. Appuie sur la touche action pour tirer 3 sucettes. Incroyable. Attends, il y a un truc ici par terre. Non, c'est bon. Là, c'est sûrement la suite ici, je pense. Là, je pense être sûrement la suite. Et là-bas, il y a un truc peut-être. Peut-être un sac ou... Ouais, c'est ça, un sac. Parfait. Hop. Là, y'a rien. Non, bon, on va activer ici, hein, du coup. Hop. Oh, regardez, une coccinelle. Une quoi? Un bêta-moule, je veux dire. Tu crois qu'elle pourrait nous conduire à Nécropolis? Je ne sais pas. Bon. Seuls les noix permettent d'aller jusqu'à Nécropolis. Bon, on va... Allez, on va sauvegarder. Alors, 37 minutes. Je sais pas si après ça va être un petit passage encore plus long ou pas. Bah, vous savez quoi, les amis? On va s'arrêter à VOD ici. Comme ça, au moins, on aura fait le passage où j'ai jamais réussi à passer. Bah du coup, en fin de compte, ça a été pas si compliqué que ça, mais pour, je sais pas pourquoi. Après, voilà, pour me défendre, les amis, quand j'ai eu le jeu là, quand j'ai joué, j'avais quoi, 12 ou 14 ans, pas plus. Et à l'époque, quand j'étais plus jeune, bah quand j'arrivais pas à un petit passage, j'ai arrêté le jeu directement. Ouais. Je cherchais même pas à comprendre, quoi. Mais bon, le plus important, c'est que j'ai enfin passé, et ça c'est cool. Merci pour la team YouTube. Bah, on va s'arrêter là pour la VOD numéro 7. Du coup, j'espère que ça vous a plu. C'est un épisode un peu court que les précédents. Mais bon, ça fait pas de mal de temps en temps. Du coup, voilà. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé. Ça va, c'est pas un épisode de rage aujourd'hui. Ça, c'est cool. Du coup, en tout, j'ai eu 26 morts en tout, hein, pour ce let's play pour le moment. 26 morts et on est à 66% du jeu. Du coup, ça va. C'est bon, c'est pas mal dans les rations pour quelqu'un comme moi. J'ai jamais réussi à finir le jeu. Après, on verra bien par la suite comment ça va se passer. J'espère que ça va bien se passer en tout cas. On verra bien, mais en tout cas, voilà. Team YouTube, on vous laisse ici. On vous fait plein de gros bisous. Et puis, je vous dis à la prochaine pour la suite de l'aventure. Bye bye.